الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فهذا اليوم هو 25 من شهر ذي القعدة عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 27 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 20 septembre 2014. Aujourd'hui, nous entrons dans le 27e cours, n'est-ce pas, de notre livre Les passages de la vie du messager de l'imam ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Nous avons parlé de l'expédition contre la tribu des Bani al-Mustaliq qui a eu lieu en l'an 5 de l'Hégire, et dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé en compagnie des sahaba radiyallahu anhum attaquer cette tribu des Bani al-Mustaliq pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le fait qu'ils résidaient dans des demeures qui se trouvaient sur le chemin qu'il fallait emprunter pour se rendre à la Mecque, et ils constituaient donc un obstacle dans le cas où les musulmans qui avaient pour ambition la conquête de la Mecque voudraient aller à la Mecque. Deuxièmement, car ils étaient alliés des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant la bataille de Uhud, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas oublié. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que ces gens-là essayaient de constituer un groupe ou bien une coalition dans le but d'attaquer les musulmans. Le prophète alayhi salatu wa sallam les a donc devancés, chose qui a été faite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé avec les sahaba radiyallahu anhum afin de combattre ces gens, puis ils ont réussi, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, à les vaincre et à constituer captifs femmes et enfants de cette tribu. C'est d'ailleurs à ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé cette femme Juwayra bintul Harith radiyallahu anha, qu'Allah l'agré, qui au début était la captive de Thabit ibn Qais radiyallahu anha. Et Thabit ibn Qais radiyallahu anha avait émis comme condition pour pouvoir la libérer qu'elle affranchisse sa propre personne en payant une somme d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est porté garant pour payer cette somme d'argent, puis épouser par la suite cette femme qui était la fille du chef de la tribu des Banu al-Mustaliq. Et suite à cette union ou ce mariage, les compagnons qui avaient fait captifs plusieurs de ces gens-là se sont dit: il est impossible que l'on garde prisonniers les gens de cette tribu alors que la fille de leur chef a épousé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc un lien de parenté avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Ils se sont mis à les libérer. Ils ont donc été libérés et ont adhéré à l'islam, sont devenus musulmans. C'est pour cela que Aïcha radiyallahu anha a dit: je n'ai jamais vu une femme aussi bénie pour son peuple, ayant apporté autant de bien pour son peuple, que Juwayriya radiyallahu anha, qu'Allah l'agré. Et tout cela nous montre la sagesse d'Allah azza wa jal lorsqu'il décrète les choses dont on ne voit que l'apparent, mais quant au caché, Allah azza wa jal lui le connaît. Puis au retour de cette bataille qui a eu lieu en l'an 5 de l'Hégire, en chemin, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, a cherché à exciter les compagnons ou bien à inciter certaines personnes à montrer leur hostilité au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Comment? Il dit alors qu'il marche en route, la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal. Certes, le plus fort de Médine en fera sortir le plus faible. De qui est-ce qu'il parlait? De lui comme étant le plus fort et du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant le plus faible. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé cette sourate entièrement pour répondre à la question. Il a révélé effectivement entièrement à cause de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui s'intitule Suratul Munafiqun, la sourate les hypocrites, dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a dévoilé la face qu'avait cachée Abdullah ibn Ubay ibn Salul lorsqu'il a répandu cette parole. Et donc, Allah Azza wa Jalla l'a préservé. Puis, dans ce même chemin, est arrivée à la communauté musulmane une calamité sans précédent, une grande catastrophe qui est dite de Hadithatul Ifk, l'événement de la calomnie. Cette calomnie, c'est un mensonge qui a été forgé sur une des personnes les plus pures et les plus pieuses, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi comme épouse. C'est une femme, c'est Aïcha radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anha et Umm Ruman radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha a été éprouvée et son épreuve a duré un mois. Et cela a été très dur pour elle. Mais à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocentée et lui a apporté son secours venant de lui, Azza wa Jal. Et sachez que cette calomnie dont a été victime Aïcha, radiyallahu anha, a été une cause de discorde chez certains compagnons. Et celui qui en a été l'auteur est encore une fois le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donne ce qu'il mérite dans ce bas monde, dans sa tombe, mais aussi le jour où il rencontrera Allah et il lui rendra des comptes, subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Ubay ibn Salul a eu cette idée satanique et mauvaise de forger cette calomnie contre Aïcha et cette fausse rumeur injuste dans laquelle ils ont accusé Aïcha radiallahu anha d'avoir commis l'adultère. Subhanallah. Comment une femme aussi pure, comment une femme aussi pieuse, bénéfique et bénie, qui est Aïcha radiallahu anha, pourrait commettre un tel acte, alors que c'est celle parmi les femmes qui a peut-être rapporté le plus de science dans l'histoire de l'islam. Subhanallah. Une femme pieuse, chaste, croyante et innocente. Cet ennemi d'Allah, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, cherche à contaminer les gens par son poison à travers des calomnies qu'il forge. Et donc, il a décidé de forger cette calomnie qui a été une grande épreuve pour Aïcha radiallahu anha, puisque c'est la concernée, mais aussi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il s'agit ici de son épouse. Que dirait l'un d'entre vous si on inventait comme mensonge que son épouse avait commis l'adultère? Puis, cette rumeur se véhicule chez les gens et tout le monde commence à parler pour dire: as-tu entendu, l'épouse d'un tel a commis l'adultère? Que dirait l'un d'entre vous? Que dire si celui qui en est victime est un savant de l'islam, un savant que vous aimez tous, puis vous entendez que des gens véhiculent ce mensonge sur lui dans le but de le faire tomber du cœur des gens? Que dire alors s'il s'agit d'un compagnon, radiyallahu anhum, alors que vous savez tous que les compagnons ont donné tous leurs efforts, toute leur vie au service de la religion d'Allah Azza wa Jal? Que dire alors s'il s'agit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam?
Vous voyez combien va être grand le mal qu'il va ressentir, alayhi salatu wassalam, et combien va être grand le mal qui va naître dans le cœur des compagnons, radiyallahu anhum. Pourquoi ? Car il s'agit de Aïcha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal a jugé les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous autres les croyants comme des mères. Allah Azza wa Jal a dit dans sourate Al-Ahzab, les coalisés, wa azwajuhu ummahatuhum. Et les épouses du messager sont les mères des croyants. Que dirait l'un d'entre vous si on accusait sa propre mère d'avoir commis l'adultère? Subhanallah. Donc voilà ce que va vivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha radiallahu anha, plus particulièrement à cause de la ruse des hypocrites qu'Allah Azza wa Jal va démasquer tôt ou tard. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Il est assez long, nous allons le lire en entier inshallah, le traduire et expliquer ce qui paraît ambigu ou qui n'est pas clair. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté selon Aïcha radiyallahu anha dans son recueil de récits prophétiques authentiques le hadith 4141. Aïcha radiyallahu anha a dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lorsque le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام partait en voyage, il tirait au sort afin de savoir qui parmi ses épouses allait l'accompagner. Et donc dans la religion d'Allah تبارك وتعالى, pour certains intérêts, il est permis de tirer au sort. Ici, pour choisir qui de ses épouses va venir avec lui dans le voyage. Et à chaque fois qu'il voyageait, sallallahu alayhi wa sallam, il tirait au sort pour savoir qui il allait choisir. Et tout le monde devait se soumettre au résultat de ce tirage au sort. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب أي بعد ما أوحى الله إلى المسلمين الأمر بالحجاب والمسلمات خاصة. عائشة أدي le prophète صلى الله عليه وسلم a donc fait le tirage au sort entre nous les épouses dans une de ces batailles dont il a été l'auteur, expédition. De quelle expédition est-ce que l'on parle? De celle-ci, Ghazwatu Bani al-Mustaliq, l'expédition contre les Bani al-Mustaliq. Quand est-ce qu'elle a eu lieu? En l'an 5 de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc moi qui ai été choisi suite à ce tirage au sort. Je suis sorti avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après qu'Allah Azza wa Jal ait révélé aux femmes l'obligation de porter le voile. فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ. On me portait donc sur la litière ou bien le palanquin. La litière ou le palanquin, c'est ce qui était utilisé par les sahaba radiallahu anhum pour porter les femmes lorsqu'ils partaient en voyage depuis le jour où Allah Azza wa Jal a légiféré aux femmes le port du voile. C'était donc un endroit ou un objet sur lequel la femme va être posée, elle va entrer dedans, puis les hommes vont porter cette litière ou ce palanquin pour le poser sur le dos de la monture du chameau. Et ainsi elle pourra être transportée sans pour autant qu'on ne puisse la voir. Aïcha radiallahu anha dit: on me portait sur le palanquin et lorsque l'on faisait halte, on posait le palanquin. Fasirna hatta idha faragha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ghazwati tilk wa qafala wa danawna min al-madinati qafilin adhana laylatan birrahil. Nous avons donc cheminé. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a terminé cette expédition, qui est celle contre les Bani al-Mustaliq, il s'est arrêté un instant pour faire halte, alors que nous étions proches de la ville de Médine. De nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce que l'on reprenne la route. فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ. Et au moment où on a ordonné de reprendre la route, je me suis levé. فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشِ. J'ai marché jusqu'à dépasser l'endroit où se trouvait l'armée, l'armée des compagnons. فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي. Puis lorsque j'ai terminé l'accomplissement de mes besoins, vous venez de comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'est éloignée, je me suis rapproché de ma monture. فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدْ انْقَطَعَ. Alors j'ai avec ma main touché ma poitrine à la recherche de mon collier. Je me suis aperçu qu'il était perdu et qu'il s'était découpé. Donc logiquement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller le chercher. À quel moment? Au moment où les musulmans s'apprêtent à partir. C'est ce qui va faire, c'est ce qui va causer le fait qu'elle se retrouvera seule. Et c'est ça qui va donner l'idée aux hypocrites de forger cette calomnie. فرجعت فالتمست عقدي. J'ai donc fait demi-tour à la recherche de mon collier. فحبسني ابتغاؤه. J'ai donc été retardé par la recherche de ce dernier. C'est-à-dire alors que les autres commençaient à prendre le chemin, la route. قالت واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي. فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه. Puis le groupe d'hommes qui était chargé de porter le palanquin sur lequel on me portait est arrivé, a pris la litière ou le palanquin et l'a posé sur le dos de la monture sur laquelle j'étais ou je voyageais. وهم يحسبون أني فيه. Tout en pensant que je m'y trouvais. Il ne savait pas que Aïcha radiallahu anha n'était pas sur ce palanquin ou sur cette litière. Il pensait qu'elle s'y trouvait. Pourquoi? Elle dit وَكَانَ النِّسَاءُ إِذَّاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمَ. Car à cette époque, les femmes étaient minces. Elles ne mangeaient pas beaucoup. Elles n'étaient pas recouvertes par la graisse ou la chair. إنما يأكلن العلقة من الطعام. Elle ne mangeait que quelques cuillères de nourriture. Aïcha était jeune, radiallahu anha. Elle était mince. Et plusieurs personnes l'ont portée d'un coup, comme vous l'avez vu dans le livre la semaine dernière. Ce qui a fait qu'ils ne se sont pas rendus compte de l'absence de Aïcha sur cette litière. Donc, ils ont cheminé en pensant que Aïcha s'y trouvait. فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ. Le peuple ne s'est pas étonné de la légèreté du palanquin lorsqu'ils l'ont porté pour le placer, pour les raisons que vous venez d'entendre. وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِ. Et j'étais une jeune fille. فَبَعَثُوا الْجَمَلَ فَسَارُوا. Ils ont donc envoyé les chameaux et ont commencé à cheminer. وَوَجَدْتُ عِقْدِي. Et à ce moment-là, j'ai retrouvé mon collier. بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشِ. Après que l'armée s'en est allée et s'est éloignée. فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيبٍ. Puis lorsque je suis revenu à l'endroit où ils avaient fait halte, je n'y trouvais ni appeleur ni répondant. C'est-à-dire, il n'y avait plus personne. Personne ne nous appelait pour rechercher ceux qui étaient éventuellement perdus. Et dans le cas où on appelait pour montrer qu'on était perdu, personne ne va nous répondre. Il n'y avait plus personne. Elle s'est donc rendue compte qu'elle n'était avec plus personne. فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي أَلَّذِي كُنْتُ فِيهِ. Je me suis donc dirigé vers l'endroit où j'avais fait halte. وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ. Tout en croyant qu'ils allaient me rechercher au bout d'un moment et donc revenir à cet endroit. Et
cette façon de faire est très intelligente de la part de Aïcha, radiyallahu anha. Car dans le cas où une personne se perd, si elle décide d'aller chercher le groupe, soit elle les retrouve, soit elle se perd davantage. Et alors il sera beaucoup plus difficile de la retrouver. Aïcha radiyallahu anha s'est dit, forcément, ils vont se rendre compte de mon absence et vont revenir. Mais comme a dit Ibn Kathir rahimahullah, Wallahu ghalibun ala amri. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il décrète une chose, on ne peut le vaincre et changer cette chose. Et Allah azza wa jal, pour une sagesse dont il était connaisseur, a décidé qu'il n'allait pas revenir et qu'il n'allait pas se rendre compte de l'absence de Aïcha radiyallahu anha. Aïcha dit: فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتْ كَانَتْ تَعْبَانَا رضي الله عنها. Alors que je me tenais assise dans l'endroit où j'avais fait halte, le sommeil s'est emparé de moi, je me suis donc endormi. وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطِّلِ السُّلَمِي ثُمَّ الذَّكْوَانِي مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ. Et Safwan ibn al-Mu'attil al-Sulami, qu'Allah l'agré, se trouvait à l'arrière de l'armée. Et il était connu, radiyallahu anhu, comme étant quelqu'un qui, lorsqu'il dormait, dormait profondément. Son sommeil était fort. Et pendant le cheminement, il s'est arrêté, il s'est endormi. Et à cause de son sommeil profond, les compagnons ont continué à cheminer sans pour autant se rendre compte de son absence. Subhanallah, la sagesse d'Allah. Et lorsqu'il s'est réveillé, il s'est aperçu que les compagnons étaient déjà partis. Il a suivi la route et a pris le chemin. Et il a trouvé Aïcha radiallahu anha en route, comme vous allez le voir. Lorsqu'il s'est approché de l'endroit où j'avais fait halte, il a vu le noir de la forme d'un personnage. Car les femmes du prophète, les épouses des compagnons radiallahu anha, portaient le voile. Elles étaient couvertes. Et donc, il a vu une silhouette d'un personnage. فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي. Dès qu'il m'a vu, il m'a reconnu. وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ. Et il m'avait vu avant que le voile ne soit légiféré. C'est comme ça qu'il l'a reconnu. Car avant que le voile ne soit légiféré, il connaissait Aïcha radiallahu anha. Il connaissait sa silhouette, sa corpulence. Il a reconnu Aïcha رضي الله عنها فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. Je me suis réveillé lorsqu'il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, après m'avoir reconnu. Ce qu'on appelle en arabe al-istirja', al-istirja', c'est le fait de dire à Allah nous sommes et vers lui nous retournerons. Et cette parole en général est prononcée lorsqu'il y a un malheur ou lorsqu'il y a une difficulté ou un problème. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent nous sommes à Allah et vers lui nous retournerons. Et lui, quand il voit l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam perdue et seule, c'est quand même quelque chose de grave. C'est pour ça qu'il dit إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Aïcha radiallahu anha dit « فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي. Aussitôt, j'ai recouvert mon visage avec mon voile. » Il y a donc une preuve que les femmes des compagnons portaient ce vêtement qui recouvrait leur visage. Elles n'avaient pas l'habitude de dévoiler leur visage devant les compagnons. « وَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه فقط سمعته يقول إن لله وإن إليه راجعون ولم نتكلم بعد ذلك. عائشة رضي الله عنها dit par Allah, nous n'avons pas parlé ne serait-ce que pour prononcer un seul mot, et je n'ai pas entendu de lui un seul mot à l'exception de sa parole à Allah nous sommes et vers lui nous retournerons. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Car par la suite, Aïcha radiallahu anha va nous dire qu'on l'a accusée d'adultère avec cet homme, alors qu'il n'y a pas eu de discussion entre eux, ne serait-ce que pour échanger un seul mot.
رضي الله عنها وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها. Il s'est donc rapproché, a fait descendre sa monture, il a fait s'asseoir, puis je me suis levé et j'ai monté cette monture. فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة. مغيرين أي كانوا في وقت حر. يقول أوغر الرجل إذا كان في وقت حر. عائشة رضي الله عنها dit puis il m'a conduit jusqu'à arriver à l'armée à peu près à l'heure du dhuhr en pleine chaleur. وهم نزول. Et eux avaient fait halte. قالت فهلك من هلك. عائشة رضي الله عنها dit puis a péri ou pardon ont péri ceux qui ont péri. De quoi est-ce qu'elle parle? Naam, de la calomnie. Car c'est à ce moment-là que les hypocrites ont vu Aïcha radiallahu anha arriver. L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient et c'est un homme qui la ramène. Et ils ont commencé à parler et à dire, regardez Aïcha radiallahu anha, l'épouse de Mohammed qui revient avec un homme. Qu'est-ce qu'elle a fait avec cet homme? Et ils ont commencé à parler. Wal'iyadu billah. Et Aïcha radiallahu anha ne le savait pas. Pendant un mois, on parlait sur elle, elle n'était pas au courant. Elle ne savait pas qu'on l'avait calomniée et accusée à tort d'avoir commis l'adultère. Wal'iyadu billah. Puis elle dit, wa kana alladhi tawalla kibra al-ifk Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et celui qui avait porté ce grand fardeau de forger cette calomnie sur moi était Abdullah ibn Ubay ibn Salul. قال عروة. عروة a dit, et عروة c'est celui qui rapporte le hadith de عائشة رضي الله عنها. أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. On m'a informé qu'on véhiculait cette rumeur, on en parlait et on la propageait devant lui, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, et lui l'approuvait, il l'écoutait et la propageait aussi. فقال عروة أيضا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان ابن ثابت ومصطاح ابن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا أعلم لي بهم. عروة a dit, عروة est celui qui rapporte cette histoire de Aïcha, il l'a entendu de Aïcha رضي الله عنها. On a nommé des gens de la calomnie que Hassan ibn Thabit, Mistah ibn Uthatha, ainsi que Himna bint Jahsh. Hassan ibn Thabit, ces gens-là vont se repentir, bien sûr. Leur repentir va être accepté d'Allah Azza wa Jal, mais ils vont subir le châtiment d'accuser quelqu'un à tort, d'accuser une femme chaste, innocente et croyante d'avoir commis l'adultère à tort. Ils vont subir ce châtiment corporel qui est la flagellation. Et ce sont les noms que l'on connaît de ceux qui ont participé à répandre cette rumeur parmi les croyants, ainsi que d'autres personnes que je ne connais pas. غير أنه عصبة أي جماعة. Si ce n'est qu'ils étaient un groupe. Ils étaient un groupe de personnes à forger ce mensonge. كما قال الله تعالى. Comme Allah élevé soit-il a dit dans le Coran. وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول. Quant à celui qui est l'auteur de cette calomnie, c'est عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة. عروة a dit, كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان. Aïcha radiallahu anha, c'est-à-dire après cette histoire, détestait que l'on insulte en sa présence Hassan ibn Thabit. Pourquoi? Il s'est repenti, Allah a accueilli son repentir. Et Hassan ibn Thabit va devenir le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prendra sa défense avec des vers poétiques. Aïcha radiallahu anha a dit,
وتقول إنه الذي قال وإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. Lorsqu'il a été l'auteur de vers poétiques, il a dit: et certes, par ma personne, mon père et mon honneur, je défendrai l'honneur de Mohammed. C'est pour ça que Aïcha radiallahu anha a dit: je n'accepte pas qu'on insulte cet homme en ma présence, même si il a été éprouvé par la participation à la propagation de la calomnie. قالت عائشة رضي الله عنها, عائشة poursuit maintenant et dit: فقدمنا المدينة, nous sommes arrivés à Médine. فاشتكيت حين قدمت شهرا, lorsque je suis arrivé à Médine, je me suis plaint d'une maladie pour une durée d'un mois. Au retour de Bani al-Mustaliq, عائشة رضي الله عنها est tombée malade. Cette maladie a duré un mois. والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك. Alors que les gens répandaient cette calomnie et propageaient cette calomnie sans pour autant que je ne m'en rende compte. C'est-à-dire que pendant ce mois, tout le monde, parmi les gens de la calomnie, parlait sur Aïcha radiallahu anha et disait: Aïcha a commis l'adultère, Aïcha a commis l'adultère. Et Aïcha n'était pas au courant, radiyallahu anha. Wa huwa yuribuni fi waj'i anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-lutf alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Puis Aïcha radiyallahu anha dit: mais une chose m'inquiétait. Cette chose qui m'inquiétait était le fait que je ne reconnaissais pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la douceur qu'il avait l'habitude d'avoir avec moi quand je me plaignais d'une maladie. Il y avait quelque chose de bizarre qui se produisait et qu'elle avait remarqué. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait son épouse malade, redoublait de douceur avec elle et la consolait. Mais cette fois-ci, elle a remarqué qu'il n'a pas eu la douceur habituelle lorsqu'elle se plaignait d'une maladie. Radiyallahu anha. Innama yadkhulu alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa yusallim thumma yaqulu kayfa atikum ay kayfa halukum. Je ne voyais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrer chez moi, me saluer et dire: comment te portes-tu? C'est tout. كيف أتيكم ثم ينصرف puis il s'en allait. فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. Ceci m'inquiétait sans pour autant que je ne me rende compte du mal, c'est-à-dire de la calomnie. حتى خرجت حين نقيت, jusqu'au jour où je suis sorti, quand je commençais à entrer en convalescence, elle commençait à guérir, à retrouver des forces, assez de forces pour pouvoir sortir. Jusqu'à ce jour-là, c'est ce jour-là qu'elle a appris qu'on a forgé la calomnie sur elle. فخرجتُ مع أم مصطح قبل المناصع فكان متبرزنا. Je suis donc sorti en compagnie de la mère de Mistah. Mistah est un compagnon proche de la famille de Abu Bakr radiyallahu anhu, ceci dans le but d'accomplir les besoins. Wa kunna la nakhruju illa laylan ila layl, et nous ne sortions que de nuit, c'est-à-dire les femmes à l'époque n'avaient pas de toilettes, tout comme les hommes n'avaient pas de toilettes. Et quand ces gens voulaient accomplir leurs besoins, ils s'éloignaient dehors et ils allaient dans un endroit à l'abri du regard des gens et accomplissaient leurs besoins. Les femmes, elles sortaient la nuit à l'abri du regard des gens et accomplissaient leurs besoins discrètement. وَذَلِكَ قَبْلَ أَن نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا. Et ceci avant que nous ne prîmes des toilettes proches de nos demeures. قَالَتْ وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأَوَّلُ فِي الْبَرِيَّةِ,
قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. عائشة رضي الله عنها continue et dit que c'est l'habitude qu'avaient les Arabes autrefois. Ils n'avaient pas de toilettes et ils ne prenaient pas des toilettes proches de leur maison, mais ils s'éloignaient pour accomplir leurs besoins. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح. Je suis donc sorti en compagnie de la mère de Mistah, وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف, qui était elle-même la fille de telle et telle personne, en citant les noms. وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Et la mère de cette femme qui est sortie avec moi pour accomplir les besoins était la cousine de Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu. Cette femme était donc la cousine de Abu Bakr radiyallahu anhu. Wa umm Misr wa ibnuha Mistah ibn Uthatha ibn Abbad ibn al-Muttalib. Quant à Mistah, il est le fils de Uthatha, qui est lui-même le fils de Abbas, fils de Muttalib. فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِصْطَحِ. Je me suis donc rapproché, moi, ainsi que la mère de Mistah, قِبَلَ بَيْتِ, proche de notre maison, حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا, lorsque nous avons terminé l'accomplissement de nos besoins. فَعَثَرَتْ أُمُّ مِصْطَحِ فِي مُرُطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِصْطَحِ. C'est alors que, bizarrement, la mère de Mistah s'est écriée et a dit que périsse Mistah, en parlant de son fils qui est un compagnon. Pourquoi est-ce qu'elle va dire ça? Car elle a entendu que Mistah fait partie des gens qui véhiculent cette calomnie. Aïcha, à ce moment-là, ne sait pas encore qu'elle est victime d'une grave calomnie. Elle va prendre la défense de Mistah. Elle va donc dire à sa mère: فقلت لها بئس ما قلت. Quelle mauvaise parole que tu viens de prononcer. أتسبين رجلا شاهد بدر. Insultes-tu un homme qui a participé à la bataille de Badr? Et à la bataille de Badr, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: faites ce que vous voulez, car à présent vous êtes tous pardonnés. À partir de là, ceux qui ont participé parmi les compagnons à la bataille de Badr ont un rang particulier chez Allah subhanahu wa ta'ala. فقالت أيهنتان أولم تسمعي ما قال. Puis la mère de Mistah dit à Aïcha: n'as-tu pas entendu ce qu'il a dit? قالت وقلت وما قال. عائشة dit: mais qu'est-ce qu'il a donc dit? فأخبرتني بقول أهل الإفك. Puis elle m'a informé de la calomnie de ces gens. قالت فازددت مرضا على مرضي. Puis عائشة رضي الله عنها a dit: je suis retombé malade et ma maladie n'a fait que croître. فلما رجعت إلى بيتي. Lorsque je suis retourné dans ma demeure, دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète est entré chez moi, عليه الصلاة والسلام. ثم قال كيف أتيكم. Puis il a dit: comment te portes-tu? Comme il avait l'habitude de faire. Et sachez que le prophète صلى الله عليه وسلم a été touché par cette calomnie. Il en était dérangé et perturbé صلى الله عليه وسلم. فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي. Je lui ai dit: me permets-tu de me rendre chez mes parents? Qui sont ses parents? Abu Bakr et Umar Uman. قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. Et je lui ai demandé ceci car je voulais être sûr de cette information et la confirmer chez mes parents. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager m'a autorisé de me rendre chez mes parents. فقلت لأمي. J'ai donc dit à ma mère: يا أمتا,
Mada yatahaddathu an-nas. Ô noble mère, de quoi est-ce que les gens parlent? Qu'est-ce que les gens disent? Qalat ya bunayya, hawwini 'alayk. فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائب إلا أكثرنا عليها. سبحان الله, regardez comment sa mère va essayer de la calmer. Et donc elle va faire allusion au fait qu'il y a bel et bien une calomnie dont Aïcha a été victime, sans lui dire directement. Aïcha vient voir sa mère et lui dit: oh mère, que se passe-t-il? De quoi est-ce que les gens parlent? Et sa mère lui dit: oh Aïcha, oh ma noble fille, calme-toi, calme-toi, allège cette chose. Car je jure par Allah que pas une femme pieuse et aimée de son mari ayant des rivales ou des gens envieux n'a été épargnée de ces choses-là. Sans lui dire de quelle chose est-ce qu'on parle, Aïcha a compris immédiatement. قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا. Aïcha a dit: سبحان الله, est-ce que vraiment les gens ont prononcé ces paroles? Est-ce que vraiment les gens m'ont accusé? قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. Aïcha radiallahu anha dit: je me suis mise à pleurer cette nuit jusqu'à me retrouver au matin sans trouver aucune larme et aucun sommeil. Elle a pleuré toute la nuit pour vider les larmes de son corps radiallahu anha. ثم أصبحت أبكي. Puis le matin je me lève en pleurant. Imaginez-vous un peu. Et je pense qu'une femme va mieux s'il l'imaginait. Imaginez-vous qu'on accuse une femme qui est connue pour la piété, la chasteté, la dévotion, le bon comportement. On l'accuse d'avoir trompé son mari, qui lui-même est le plus pieux, le plus aimé. Regardez la douleur, comment elle sera grande. Aïcha radiallahu anha a pleuré toute la nuit, a pleuré toute la matinée. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. Puis le messager صلى الله عليه وسلم a fait appel à Ali ibn Abi Talib, son cousin, ainsi que Usama ibn Zayd. حين استلبث الوحي أي أبطأ الوحي. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم attendait la révélation, attendait une révélation d'Allah pour voir. Car souvent, quand il arrivait des problèmes dans la communauté, Allah tabaraka wa ta'ala révélait des versets pour donner raison à telle personne et tort à telle personne. Le prophète attendait. Et Allah azza wa jal ne l'a pas informé de quoi que ce soit, ne lui a pas révélé de versets. Donc le temps a paru long. Le prophète alayhi salatu wa salam a fait appel à Ali ibn Abi Talib ainsi que Usama ibn Zayd pour demander leur avis. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit garder Aïcha ou est-ce qu'il doit la divorcer? Subhanallah. يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه. Quant à أسامة رضي الله عنه, il n'a dit que du bien et il s'est basé sur le fait que Aïcha radiallahu anha est connue pour son innocence et sa chasteté. Il a donc choisi de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا. Au messager d'Allah, de ton épouse, nous ne connaissons que du bien. وأما علي, quant à Ali, فقال يا رسول الله, il a dit au messager d'Allah, لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. Ô messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas restreint la chose
C'est-à-dire que tu n'as pas à rester soucieux comme tu l'es. Bien sûr, Ali radiallahu anhu ne va pas accuser Aïcha et va penser du bien de Aïcha. Mais quand il voit son prophète sallallahu alayhi wa sallam pris par ce désarroi et touché par cette tristesse, il va lui dire: ô messager d'Allah, il existe beaucoup de femmes et Allah azza wa jalla ne t'a pas forcé de rester avec cette femme, mais va quand même demander à Jari, à la servante de Aïcha, va lui demander, elle connaît Aïcha, elle est plus à même de te répondre. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة. Le messager a donc appelé بريرة, cette fille qui était la servante de عائشة. فقال أي بريرة هل رأيت شيئا يريبك؟ أو بريرة, as-tu vu, c'est-à-dire as-tu vu chez عائشة quelque chose de louche, quelque chose qui t'inquiète؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق. Elle répondit: je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, ma ra'aytu 'alayha amran qattu aghmisuhu akthar min annaha jariyatun hadithatu sin tanamu 'an 'ajin ahliha fa ta'ti ad-dajina fa ta'kulu. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai rien vu d'elle, si ce n'est que c'était une jeune fille, si ce n'est que c'était une jeune fille qui, lorsque sa famille lui donnait la farine à garder, elle la mangeait. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه. Le messager d'Allah ce jour-là s'est levé et a dit: فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر. Il s'est tenu debout sur la chair. فقال يا معشر المسلمين, puis a dit: ô vous autres les musulmans, من يعذروني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي. Qui d'entre vous va m'excuser pour que je puisse me venger d'une personne dont la nuisance m'a atteint à l'encontre de ma femme? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vouloir se venger de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et il va dire aux gens: excusez-moi, qui parmi vous m'excuse de me venger contre lui, car il a atteint un niveau dans le mal qu'il m'a fait tel qu'il faut se venger ou lui donner une punition. Puis il dit: wallahi ma alimtu ala ahli illa khayra, car par Allah je ne connais de mon épouse que du bien. Walaqad dhakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khayra, et ces gens ont parlé d'un homme dont je n'ai connu que du bien. L'homme qui est Safouane, qui a été accusé d'avoir commis l'acte avec Aïcha. وَمَا يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِ إِلَّا مَعِي, et cet homme-là n'entrait chez mon épouse qu'en ma présence. قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَادِ أَخُو بَنِي الْأَشْهَلِ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَمْرَكَ. Puis Sa'd ibn Mu'ad radiallahu anhu, le chef des Aous, s'est levé et a dit: أنا يا رسول الله أعذرك, moi au messager d'Allah je t'excuse. فإن كان من الأوس ضربت عنقه, si cet homme fait partie des Aous, je lui trancherai le cou. وإن كان من إخواننا من الخزرج, et s'il fait partie de nos frères les خزرج, أمرتنا ففعلنا أمرك, tu nous ordonnes quoi que ce soit et on mettra en pratique ton ordre. قالت فقام رجل من الخزرج, puis un homme des خزرج s'est levé. فكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة. Et cet homme était Sa'd ibn Ubadah رضي الله عنه, qui lui-même est le chef des خزرج. Sa'd ibn Ubadah se lève, وهو سيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك قبل ذلك رجلا صالحا. Et cet homme avant cette histoire était connu pour sa piété. ولكن احتملته الحمية فقال لسعد كذبت الأمر الله لا تقتله. Il s'est levé, Sa'd ibn Ubadah s'est levé pour répondre au premier, Sa'd ibn Mu'adh رضي الله عنه, qui a dit au prophète صلى الله عليه وسلم: je t'excuse au messager d'Allah,
ordonne-nous ce que tu veux. Et s'il fait partie des nôtres, on le tue. S'il fait partie des autres, nos frères, donne-nous l'ordre que tu veux et on le mettra en pratique. Sa'd ibn Ubada, qui fait partie de ses frères, les Khazraj, s'est levé. Il s'est énervé et lui a dit, tu as menti. Je jure par Allah que tu as menti. Tu ne le tueras pas. Wala taqtiru ala qatri. Et tu ne pourras pas le tuer. Tu n'en seras pas capable. Walau kana min rahtika ma ahbabta an yuqtal. Et s'il faisait partie de ton groupe, tu n'aurais pas aimé qu'il soit tué. Faqama Usayd ibn Hudayr wa huwa ibn ammi Sa'd. Et alors Usayd ibn Hudayr s'est levé. Faqala li Sa'd ibn Ubada, pour dire à Sa'd ibn Ubada, كذبت الامر الله لنقتلنا فانك منافق تجادل عن المنافقين. C'est toi qui as menti par Allah et nous allons très certainement le tuer. Et d'ailleurs, tu n'es qu'un hypocrite qui polémique pour défendre les hypocrites. قالت فثار الحيان الاوس والخزرج. Puis les deux tribus qui sont les Aus et Khazraj se sont excitées les unes contre les autres. حتى هموا ان يقتتلوا. Jusqu'à songer à s'entretuer. Tout cela à cause de qui? À cause d'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. À cause d'une parole. Regardez ce qu'une parole peut faire. Regardez à quoi une parole peut conduire comme mal. Wal'iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était touché par le désarroi. Aïcha radiallahu anha, la tristesse s'est emparée d'elle. Elle savait qu'elle était innocente, mais qu'il existait des gens qui, à tort, l'accusaient d'avoir commis ce péché qui est l'adultère. Wal'iyadu billah. S'ajoute à ça que les compagnons parmi les plus nobles ont songé à s'entretuer. Et derrière tout ça, se réjouit Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui ne sait pas qu'il va être démasqué par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. Pendant qu'il songeait à s'entretuer, le prophète se tenait debout sur la chaire. فقالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم أي يسكنهم حتى سكتوا وسكت. Le messager n'a cessé de les calmer jusqu'à ce qu'ils se sont tus, puis lui-même s'est tu. فبكيت يوم ذلك كله. J'ai donc pleuré tout ce jour, tout au long de ce jour, j'ai encore pleuré. La yarqa'u li dam'un wa la aktahilu bi nawm. Jusqu'à ne plus trouver aucune larme et ne plus pouvoir dormir. Qalat wa asbaha abaway 'indi. Qad bakaytu laylatayn wa yawma. Mes parents sont venus au matin auprès de moi, alors que je venais de pleurer pendant deux nuits et un jour entier. La yarqa'u li dam'un wa la aktahilu bi nawm. Je ne trouvais pas le sommeil et je n'avais plus de larmes. Hatta inni la adhunnu anna al-buka'a faliqun kabidi. Subhanallah. Je pleurais tellement que j'ai cru que les pleurs allaient m'arracher mon foie. Fa bayna abawayi jalisan 'indi wa ana abki. Alors que j'étais assis auprès de mes parents en train de pleurer, fasta'dhanat 'alayya imra'atun min al-ansar. Une femme faisant partie des Ansar a demandé la permission de rentrer chez moi. Fa'adhintu laha. Je lui ai accordé. Fajalasat tabki ma'i. Elle s'est assise à côté de moi pour pleurer avec moi, pour la consoler. Qalat fa bayna nahnu 'ala dhalik دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. Alors que nous étions assis dans cette situation, le prophète est arrivé صلى الله عليه وسلم, il nous a salué et il s'est assis. قالت لم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها. Il ne s'est jamais assis à côté de moi depuis le jour où on a dit sur moi ce qu'on a dit comme calomnie. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه. Et pendant un mois, on n'a rien révélé à mon sujet. Le prophète attendait, alayhi salatu wassalam,
Il attendait, il espérait qu'Allah révèle un verset qui innocente Aïcha et qui éclaircit la vérité, qui dissipe ces nuages de doute et de suspicion autour de Aïcha radiyallahu anha. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد. Le prophète s'est assis après avoir dit لا إله إلا الله. Il s'est assis, puis il a dit. Et imaginez-vous un peu ce que Aïcha radiallahu anha va ressentir à ce moment. ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. Le prophète lui dit, Ô Aïcha, il m'est parvenu de toi telle et telle chose. Si tu en es innocente, Allah va t'innocenter. Et si tu as songé à commettre un péché, implore donc le pardon d'Allah et repends-toi à lui. Car quand le serviteur reconnaît son péché et se repent à Allah, Allah accueille son repentir. Imaginez-vous, subhanallah. Elle ne sait pas que depuis un mois, on la dénigre. Depuis un mois, elle est victime de cette calomnie. On dit qu'elle a trompé son mari, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Le meilleur soutien qu'elle peut trouver, c'est celui du prophète, sallallahu alayhi wasallam. Et voici que son soutien vient lui dire, si tu es innocente, Allah va t'innocenter. Si tu es coupable, repens-toi à Allah. C'est-à-dire qu'il y a une éventualité, il y a une possibilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse croire cette chose-là. Aïcha radiallahu anha a été attristée profondément. قالت عائشة رضي الله عنها فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé de prononcer cette parole, قال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة. قال صدمعي, elle était en train de pleurer et ses larmes commençaient à réduire jusqu'à s'arrêter afin de ne plus ressentir aucune larme. Ses larmes se sont arrêtées. فقلت لأبي, puis je lui ai dit à mon père, أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. Réponds au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم à mon sujet sur ce qu'il a dit. C'est-à-dire, dis, tu me connais, tu sais que je suis chaste. Dis au messager que je suis innocente et que je ne suis pas coupable de ce crime qui est l'adultère. فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Mon père a dit, par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqultu li ummi ajibi rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fima qala. Oh ma mère, réponds au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce qu'il a dit. Défends-moi, tu me connais, tu sais que je suis chaste, dis-le. Faqalat, qalat ummi, wallahi ma adri ma aqulu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ana jariyatun hadithatu sin la aqra'u min al-Qur'an kathiran. Et j'étais une jeune fille qui ne lisait pas beaucoup du Coran. Inni wallah laqad alimtu laqad sami'tum hadha al-haditha hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bih fala'in qultu lakum inni bari'ah لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. عائشة رضي الله عنها dit, en s'adressant à ces gens, le prophète عليه الصلاة والسلام, son père Abu Bakr, sa mère Umm Rumain radiyallahu anha, quant à moi, par Allah, très certainement
je viens de prendre acte que vous avez entendu cette chose et qu'elle s'est emparée de vous. Vous y avez cru. Et certes, si je vous dis que je suis innocente, vous ne me croirez pas. Et si je reconnais une chose dont je ne suis pas l'actrice, c'est-à-dire si je reconnais cet adultère, alors que j'en suis innocente et je n'en suis pas l'actrice, et Allah sait que je suis innocente, vous me croirez. Si je dis que j'ai fait, vous me croirez. Et par Allah, pour vous, je ne trouve rien d'autre à dire que ce qu'a dit le père de Youssouf, alayhi salam, quand il a été éprouvé. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Je veux faire preuve d'une belle patience. Et c'est d'Allah qu'on demande de l'aide contre ce que vous décrivez. C'est Allah Azza wa Jal qu'on demande de l'aide contre ce que vous décrivez. ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَ إِذٍ بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في أمر في بأمر. عائشة رضي الله عنها dit: je me suis retourné dans mon lit et me suis allongé. Et par Allah, Allah savait à ce moment-là que j'étais innocente. Il savait également qu'il allait m'innocenter et proclamer mon innocence. Mais wallah, je ne pensais jamais qu'Allah allait révéler à mon sujet des versets qui allaient être récités. Je me sentais tellement méprisable que pour moi il était impossible qu'Allah Azza wa Jal révèle des versets pour m'innocenter. Walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi an-nawmi ru'yan yubarri'uni Allah biha. Mais ce que j'espérais, c'est que le messager voit en rêve qu'Allah Azza wa Jal m'innocente. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحة من الشدة حتى إنه لا يتحدر منه العرق أو العرق مثل الجمان والجمان حبات اللؤلؤ وهو في يوم شات أي يوم بارد. Aïcha radiallahu anha a dit: mais j'espérais que le messager d'Allah voit en rêve qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'innocente. Et par Allah, après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas quitté l'endroit où il s'est assis. Et aucune personne présente dans la maison n'a quitté son endroit sans qu'Allah azza wa jal ne révèle les versets. La révélation est tombée. Et comme à son habitude, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, c'était lourd pour lui sallallahu alayhi wa sallam, à un point où les gouttes de sueur coulaient de son front à l'image des perles, à l'image des perles qui tombent les unes après les autres. Wa huwa fi yawmin shat, alors qu'il était dans un jour où il y avait le froid. من ثقل القول الذي أنزل عليه. Ceci à cause de la lourdeur de la parole qui lui a été révélée. Et les paroles qui vont lui être révélées sont les versets où Allah Azza wa Jal va innocenter Aisha رضي الله عنها. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. أي أوحي إليه وهو يضحك. Aisha رضي الله عنها a dit: on a donc révélé au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire son innocence, puis il s'est mis à rigoler. فكانت أو كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله أما وأما والله فقد برأك لا إله إلا الله. عائشة رضي الله عنها, le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit: ô عائشة, quant à Allah, il vient de t'innocenter. فقالت لي أمي قومي إليه. Umm Ruman, la mère de Aïcha, lui dit: lève-toi, c'est-à-dire va remercier le prophète, lève-toi vers lui. Et Aïcha radiallahu anha va nous donner une leçon de tawhid sans pareil et sans précédent. Aïcha radiallahu anha a été éduquée par l'imam du tawhid par excellence,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a enseigné à l'éprouvé de faire preuve d'endurance, celui qui a enseigné à l'homme qui reçoit un bienfait de ne remercier qu'Allah tabaraka wa ta'ala, de se rabaisser devant sa puissance, de reconnaître ses bienfaits. La mère de Aïcha lui dit « Qumi ilay » Lève-toi vers lui à présent, c'est-à-dire lève-toi vers lui dans le but de lui montrer ta reconnaissance. فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِنِّي لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ Aïcha radiallahu anha a dit « Non par Allah, je ne me lèverai pas vers lui et je n'exprimerai mes louanges qu'à Allah, exalté soit-il. » قَالَتْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى Puis Allah a révélé ses paroles « إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ » Puis Allah Azza wa Jalla a révélé les versets qui veulent dire « Ceux qui se sont chargés de la calomnie parmi vous ne sont qu'une partie de vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous. Au contraire, ceci est un bien pour vous. À chacun de ceux qui ont été l'auteur de cette calomnie, ce qu'ils méritent comme punition jusqu'à la fin des dix versets où Allah tabaraka wa ta'ala a innocenté Aïcha radiallahu ta'ala anha. ثم أنزل الله هذا في براءتي. Puis Allah azza wa jalla a révélé ces versets pour innocenter Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et dans ces versets, Allah Azza wa Jalla a innocenté Aïcha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Nous allons lire les versets. Et pour gagner du temps, nous n'allons lire que la traduction, inshallah ta'ala. Ceci est la traduction des versets, les dix versets qui commencent par le 11 de Surat An-Nur, la lumière. Ceux qui ont rapporté des diffamations mensongères l'ont fait en connivence avec certains parmi vous. Ne concevez pas ce fait comme un mal pour vous. À quelque chose, cela est bon. En effet, chacun des auteurs de ce scandale supportera sa part du forfait, tandis que le principal responsable de cette médisance subira un tourment terrible. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse aux croyants. Il va parler aux croyants qui ont participé, car vous venez de le voir, il y a des croyants qui ont participé pour véhiculer cette calomnie. Mistah ibn Uthatha, Hassan ibn Thabit et Himna bint Ujaysh, la sœur de Zainab bint Ujaysh, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala va ordonner à ce qu'il soit flagellé, fouetté, et quant à celui qui est le principal responsable, il subira un tourment terrible. Il aurait été mieux pour les croyants, hommes et femmes, lorsqu'ils ont entendu parler de cette infamie, de s'estimer au-dessus de tout soupçon et de dire « Ce n'est qu'une cabale manifestement ignoble. » Allah Azza wa Jal a dit « Laula in sami'tumuhu ranna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi-anfusihim khayra » Ce qui veut dire qu'il aurait été mieux pour les croyants et les croyantes, quand ils ont entendu cette calomnie, de penser d'eux du bien. Fa'ida. وهي التي كنت أريد أن أفيدك بها. C'est une leçon que je voulais vous faire partager. Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ولم يقول بعائشة خيرا بها خيرا بأم المؤمنين خيرا بأمهم خيرا لماذا؟ لأنهم إذا أساءوا الظن بأمهم عائشة وهي أمهم فكأنهم أساءوا الظن بأنفسهم. الله عز وجل قال في هذا الآية: Il aurait été mieux pour les croyants et croyantes, quand ils ont entendu parler de cette calomnie, de penser du bien pour leur personne. Pourquoi Allah Azza wa Jalla n'a pas dit de penser du bien pour leur mère, pour l'épouse du prophète, pour Aïcha, pour la femme qui a été
injustement accusés, mais de penser du bien pour eux-mêmes. Parce que s'ils pensent du mal de Aïcha, radiallahu anha, Aïcha est la mère des croyants. Et s'ils pensent du mal sur leur mère, ou de leur mère, alors c'est comme si qu'ils ont pensé du mal pour eux. Si quelqu'un dit, je pense que ma mère a commis telle et telle chose, il a pensé du mal pour lui-même, car il parle de sa mère. Allah Azza wa Jalla a voulu leur dire, c'est de votre mère qu'il s'agit. On parle de votre mère. Vous auriez dû penser du bien d'elle, car en cela vous aurez pensé du bien pour vos propres personnes. Jusqu'à la fin des versets, vous pourrez y revenir dans Surat An-Nur. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala a décidé que soient punis ceux qui ont participé au fait de véhiculer ou de répandre cette calomnie. Ont été flagellés dans cette histoire Misbah ibn Uthatha ainsi que Hassan ibn Thabit, Himna bint Ujaysh, la sœur de Zaynab, qui elle-même est l'épouse du prophète alayhi salatu wa salam. Quant à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il n'a pas été flagellé. Il n'a pas été victime de la sentence. L'un d'entre vous se pose la question. Des compagnons sont flagellés. Bien sûr, Allah va accueillir leur repentir. Ils seront pardonnés, inshallah, azza wa jalla. Et le principal auteur de cette calomnie s'en sort indemne et n'a rien. Effectivement, il n'a pas été flagellé. Et les savants ont dit que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il n'y a aucun hadith, en tout cas authentique, qui nous relate la punition ou une punition qui aurait été infligée à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Pourquoi ? La réponse a été donnée par l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Il a donné plusieurs raisons. Premièrement, الصحابة رضي الله عنهم ليس منهم من سمع عبد الله بن أبي بن سلول وإنما سمعوا الإشاعة وعرفوا أنها جاءت منه بدون أن يسمعوها مباشرة منه. Premièrement, les compagnons n'ont pas entendu Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Ils ont entendu la rumeur. Cet homme parlait avec ses amis, les hypocrites, mais jamais devant un croyant. Donc les hypocrites ont propagé, c'est arrivé aux croyants, certains croyants ont propagé. Mais personne parmi les croyants n'a entendu Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Deuxièmement, pour pouvoir lui infliger la sentence, il faut soit le témoignage de quelqu'un dans l'islam pour infliger la sentence, al-hadd al-shar'i, il faut soit un témoignage. Et s'il n'y a pas de témoignage, il faut alors que l'accusé approuve et reconnaisse. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est un imam dans le mensonge, un imam dans le fait de mentir pour se cacher. C'est de cela qu'Allah parle à son sujet dans Surat al-Munafiqun, quand il dit qu'il a fait, les hypocrites ont fait de leur serment une protection. Troisièmement, car quelle est la sagesse d'infliger une sentence à un croyant qui commet un péché qui lui fait mériter la sentence, comme l'adultère ou autre? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, c'est pour purifier cet homme ou cette femme ou cette personne de ce péché dont il a été l'auteur. Mais un kafir billah azza wa jal n'a pas à être purifié, parce que tant qu'il est kafir, il n'est pas purifié. Donc lui infliger la sentence ne va pas le purifier. Donc ça ne sert à rien de lui infliger la sentence. Car en vérité, à la fin, la sentence est une ni'ma, est un bienfait pour celui à qui elle va être infligée, car elle va servir à lui pardonner son péché. Mais lui ne va pas être pardonné, puisque c'est un kafir. Il devra rencontrer Allah avec son péché et le payer dans le feu. Quatrièmement, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam exécute Abdullah ibn Ubay ibn Saloul,
qu'est-ce que les gens vont dire? Ils diront Muhammadun yaqtulu ashabah. Muhammad tue ses compagnons et pour cela il ne l'a pas tué. Et tout cela afin que son châtiment soit décuplé le jour où il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Voici certaines des raisons pour lesquelles n'a pas été châtié corporellement Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Al-Sheikh al-Uthaymin rahimahullah ajoute à ça que pour que celui qui accuse à tort une personne de commettre l'adultère soit puni, il faut que la victime de son accusation demande qu'elle soit punie. Et Aïcha radiallahu anha n'a pas demandé que soit puni Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Wallahu ta'ala a'lam. Dans la fin de l'histoire, Aïcha radiallahu anha dit: قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطاح ابن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطاح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. Dans la suite des versets, Allah Azza wa Jal a montré qu'il a accueilli le repentir des croyants, il les a exhortés, leur a demandé de ne plus jamais recommencer une telle chose et a interpellé de façon indirecte Abu Bakr radiallahu anhu, qui était cousin de Mistah ibn Uthatha, qui était pauvre, et Abu Bakr dépensait de son argent pour lui, pour le nourrir. Il a dit: par Allah, je ne lui donnerai plus jamais d'argent, car il a accusé à tort Aïcha. Allah Azza wa Jal a révélé la suite de ces versets, où il incite les gens, tout comme lui a accueilli le repentir, à accueillir le repentir. Et Aïcha et Abu Bakr radiallahu anhu s'est mis à nouveau à redonner de son argent à cet homme-là. فانزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. Et donc عائشة رضي الله عنها nous dit que Abu Bakr radiallahu anhu a juré par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allait ne plus jamais empêcher de donner son argent à Mistah. Et la traduction des versets où Allah azza wa jal s'adresse indirectement à Abu Bakr: et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire de dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Abu Bakr a dit: si par Allah, j'aime qu'Allah me pardonne, et à partir d'aujourd'hui, je lui donnerai de mon argent. Puis Aïcha radiallahu anha termine et dit: wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa'ala Zainab bint Jahsh an amri. Faqala li Zainab: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. قالت: وطفقت أختها تحارب لها، أي حمن بنت جحش. زينب سكتت وأمسكت عن الكلام. أختها حمنة اتهمت عائشة فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. Et donc ceci dit Aïcha radiallahu anha a dit que pendant cette histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait interroger Zainab, qui était son épouse, pour lui dire: que connais-tu de Aïcha? Qu'as-tu vu d'elle? Zainab lui répondait tout le temps: ô messager d'Allah, je préfère préserver ma vue et mon ouïe. Je n'ai connu d'elle que du bien par Allah. Et ainsi Allah Azza wa Jal l'a protégée. Alors que sa sœur, Himna bint Jahsh, a péri avec ceux qui ont péri, puisqu'elle a été victime de la sentence à cause du péché dans lequel ils sont tombés. Et ainsi s'arrête l'histoire de l'ifk,
qui a eu lieu au retour de l'expédition contre les Bani al-Mustaliq en l'an 5 de l'émigration, 2 mois avant la bataille de l'Ahzab. Mais vous avez vu qu'on a déjà vu la bataille de l'Ahzab, car les savants ont divergé sur le temps où a eu lieu la bataille des Bani al-Mustaliq. Certains disent qu'elle a eu lieu en l'an 6, donc après l'Ahzab. C'est l'avis d'Ibn Kathir rahimahullah, et c'est pour ça qu'il l'a cité dans son livre après l'Ahzab. Mais quant à certains, d'ailleurs la plupart parmi lesquels Ibn al-Qayyim rahimahullah, ils disent qu'elle a eu lieu en l'an 5, comme on l'a vu tantôt. Allah tabaraka wa ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.